Lucano ce soir, une grosse victoire contre une équipe de Dijon qui était leader et qui n'a même pas pu marquer un but. Ouais, une grosse prestation de collectif. Voilà, on en avait parlé avant le derby contre Briançon. On avait trois matchs en huit jours. C'était trois matchs qui étaient importants, deux matchs de championnat et le match aller de quart de finale de Coupe de Ligue. Et pour être performant, on avait décidé de vraiment rouler à quatre lignes. Pour ça qu'on a mis Sébastien Roy. On l'a décalé sur la quatrième ligne parce que on sait le boulot qu'il peut faire défensivement. Et ça, le tir que Matt Frécon bloque avec la main et voilà, il est parti à l'hôpital faire une radio. On a peur pour une fracture on connaît que les fractures aux mains sont très longues à guérir. Donc, j'espère de tout cas que le résultat de la radio va être négatif, mais... Donc, j'ai pas eu tant d'ouvrage pour le premier deux tiers et en troisième, on a travaillé en équipe pour garder le score à zéro. On savait qu'il y avait une journée pleine d'autobus dans le corps, eux, donc on voulait sauter sur eux très vite au début du match. On a joué à quatre lignes pour une raison. On avait beaucoup plus d'énergie parce qu'on avait beaucoup plus de joueurs, donc ça joue à notre avantage, puis on sait, on oui, c'est sûr que c'est un match important pour nous. C'est drôle, c'est une drôle de ligue parce que les 14 équipes qui arrivent prêts, on est arrivé à Caen là, trois semaines et on s'est fait surprendre par une équipe qui avait beaucoup d'énergie. Mais chaque équipe dans cette ligue apporte beaucoup d'énergie chaque soir, donc on peut pas vraiment se concentrer sur qui qu'on joue. Non, craint, c'est pas vraiment un bon mot à dire, je crois. Il y a peut-être plus de nervosité, c'est Rouen. Ça vient, je pense, avec leur stéréotype, qu'ils ont toujours des grosses équipes. Surtout Briançon, c'est rempli d'énergie quand on va là ou quand ils viennent ici. Il y a beaucoup de nervosité dans l'air, c'est des matchs excitants à jouer. Wow, juste simplement wow. C'est un cliché de dire qu'on a les meilleurs supporters. Tout le monde le dit dans les sports professionnels, mais les nôtres, ils sont assez haut placés dans cette catégorie.